Gluglu reptilo camouflage. J'espère que ça va marcher, les argluants. Youhou, le roi de la bandelette. Oh, comment oses-tu subir ma colère? Oui. Je suis là, petit chaton. Au revoir. Salut. Gluglu bouclier écaille. Mon sceptre. Vilain sphinx. Bien joué, Gluglu. Est-ce que vous pouvez nous libérer? Oui, mon coéquipier et moi, on s'en occupe. Par le pouvoir du... sceptre doré, annule tout! Vous voyez, je suis un bien meilleur maître que ce nul d'Apophis. Dis donc, j'ai tout entendu! Tenez, je vous rends vos pouvoirs ninja doigts magiques. Oh, je vous ferai payer ça et je régnerai jusqu'à la fin des temps. Il est un peu dangereux. Oui, désolé qu'il t'ait embêté. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ça a fait un super entraînement à mes ninja zouaves. Merci, cuisse de tétard. Tu nous as bien aidés. Ravi de vous avoir rendu service. Pyjamasque, on crie Oura! Cette nuit, on a réglé les tracas! Maintenant, cet aimant lune est deux fois plus puissant. Et mon QG Ninja va ouvrir ses portes! L'aimant lune a trop chauffé? Ninja Zouave, refroidissez-le! Tout de suite! Motsuki, on est désolé. On aurait dû t'écouter tout à l'heure. Tu n'as pas agi comme un bébé. Tu voulais juste retrouver Sorceline. C'est vrai que tu étais en colère, mais ce n'était pas une raison pour t'ignorer. Motsuki, désolée aussi. Motsuki, triste d'avoir perdu Sorceline. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Quand ressentir émotion, cristal brillait. Mais Ninjaka avoir pris pouvoir. Cristal brillait très peu maintenant. Ces émotions dégagent beaucoup d'énergie. Motsuki, ça t'a fait quoi d'avoir perdu Sorceline? Sorceline manquait à Motsuki. Et quand tu as vu que Ninjaka l'avait faite prisonnière? Ninjaka avoir pris ma grande sœur! Wow! Il brille vraiment fort! Oui! Fort! 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 Prêt? Je vise! Motsuki en colère! Motsuki, téléportation. Yo-yo Ligoto. À moi de jouer. Livraison lunaire. Bip bip bip.
Profitons-en pour faire un tour pendant que le farfevron brille encore. Amusez-vous bien, les farfelous. Nous, on a tout ce qu'il nous faut ici. Aller sur la lune, c'était très facile. C'était du gâteau. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Tu es prêt? Paré pour une descente express. Yo-yo, rapido. Wouhou. Ouais. Oui. J'ai les pyjamasques et Tatourotom. Je suis un génie. Prêt à faire un petit voyage? À votre tour, Ninja Zouave. On dirait que ça n'a pas le même effet quand on dit la formule en Ninja Zouave. Et voilà, comme d'habitude, il faut que je fasse tout moi-même. Ninjaka, oh. Attention, on arrive. Chaud devant. Ouais. Défendez. Attaquez. Mais faites quelque chose. Je ne vous ai pas dit de vous enfuir. Tout compte fait, c'est une bonne idée. Vous avez gagné cette fois, les Pyjaminus. Mais je reviendrai. Beau travail, les amis. Boum! Oui, bien joué. Alors, vous avez découvert le secret de Maître Fang? Pour devenir le meilleur, pas besoin de chercher. Car avec ses amis, on peut tout partager. Oh, oui, c'est bien vrai. On devrait aller remettre cette BD à sa place, à la bibliothèque. Oui, tout le monde pourra la lire, à condition de l'emprunter. Tu sais, Tatourotom, si tu veux, je te prête ma carte de bibliothèque. Cool, j'ai hâte d'aller emprunter des livres en mode Tatourotom. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Sauf si... Motsuki, demandez aide, Pyjamasque, maintenant. Si vous nous aidez, on vous aide aussi. C'est l'heure d'être de vrais héros. Tu pourras aspirer un peu de pouvoir de ton aimant lune? Seulement si je suis à côté. Chacun sait ce qu'il doit faire? Oui. Glu glu reptilo camouflage. Toi! Hein? Rends-moi mon aimant lune. Yo-yo, rapido! Hé, la crevette! La grande sœur tranquille! Allez! Wouh! Bibou tornado! Ouais! C'est redevenu le bon vieil aimant lune de Sœur Céline. Et avec lui, on sait comment s'y prendre. Oui, ça c'est sûr. Sans l'aimant, tu fais beaucoup moins peur. C'est vraiment pas gentil. Gorgo ennuie. Les filles de la lune ont été les plus fortes. Enfin... avec un peu d'aide des Pyjapaminus. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Qui danse? Génial! Mais ça ne va pas calmer la montagne. Tu as adoré me faire rire, pas vrai, Schmackiak? Suis-moi, c'est l'heure d'être de vrais héros danseurs! On va danser pour la montagne! Schmackiak adore danser, mais je danse mieux avec des bottes de danse. Aucun problème. Blu blu méga mus. On va calmer la montagne et la rendre à nouveau heureuse. Ah.
montagne est apaisée, Gligli. Choumakak m'a bien aidé. Une banane. Je la garde. Au revoir. Et merci pour les bottes volantes magiques. Quoi? Ce ne sont pas des bottes de danse. Il se dirige vers la ville. Il faut qu'on le rattrape immédiatement. La montagne n'est pas tout à fait calmée. Je dois rester. Tout va rentrer dans l'ordre, Flamme Rouge. J'ai fait une bêtise, je dois la réparer. Comment? Il ne peut pas redevenir une statuette. Seul le sorcier connaissait le sort. Et ça fait longtemps qu'il a disparu. Ne t'inquiète pas, je l'arrêterai. Pyjamas, hein? Rattrapons ce singe. Oui. Attention. Allez-y. Épisode 2. Là, c'est Margot. Et là, c'est Gabi Gadou. C'est parti. Vas-y, Gligli. Zoé Zap, puissance éclair. Alors là, pas question. Zoé Zap, vitesse éclair. Non. À ton tour, Bibou. Margot Ruisseau, prends ça. Cette BD est à moi. Bibou, on est désolé pour tout à l'heure. Nous aussi, on trouve que Zoé Zap est une héroïne géniale. Merci. Mais vous savez, il y a d'autres héros qui sont encore plus super que Zoé. Les pyjamasques. Que vous pouvez être gnangnang. Bah, Margot déteste ça. Comment tu as eu cette BD, Gorgonella? Je veux la vérité cette fois. Je l'ai volée au magasin de BD. Ne t'inquiète pas, on va la remettre à sa place. Mais avant ça, Pyjarobo va changer une page. Quoi? Non, j'ai mis 2 heures à fabriquer cette encre. Comme vous voulez, la prochaine fois, jamais en tirer votre équipe. Pour toujours. Pourquoi elle n'essaie pas d'être amie avec nous au lieu de nous embêter? Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Tu peux être mon meilleur ami, finalement. Pouvoir du chat, prête-moi ta rapidité. Pouvoir du chat, prête-moi ta rapidité. Non, ça va trop vite, je ne dirige plus rien. À toi de jouer, Pyjarobo. Pouvoir du chat, prête-moi ta rapidité. Je ne voulais pas aller aussi vite. Lis l'enregistrement à l'envers. Quoi? À l'envers? Et il y part. Attends, je suis bravo. Les pyjamas, que vous avez vraiment tout gâché. Yo-yo à trop fort. Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Non. À toi de jouer, Gluglu. Gluglu Mega Muscle. Regardez ce que vous avez fait. Grand pharaon maître. Attendez-moi. Restez sur vos gardes, les pyjamasques. Car je vous préviens, je reviendrai. Il est vraiment magnifique. Enfin, pour un char magique volant. Oui, mais il vaut mieux éviter de lui jeter des sorts. Ne me dites pas qu'il revient déjà. Yo-Yo n'est pas le seul à savoir faire plein de choses. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Trop puissant! Sers-toi de tes pouvoirs! Utilise-les pour faire le bien! D'accord. C'est
valeur d'être un vrai héros, je crois. Pouvoir astral! Hein? J'ai réussi! Attends! Oh. Retourner à ta civilisation extraterrestre. Oh, il ne vaut pas mieux que les Pyjas Zéro. Venez. Hector Étoile, tu as été génial. Merci. Et tu n'as pas eu besoin de notre aide. Merci de m'avoir encouragé. On t'a simplement dit de croire en toi. Oui, je crois que je peux affronter n'importe quel méchant, même un vieux barbu. Hein? Je vous expliquerai plus tard. Hector Étoile et les pyjamas qu'on crie Hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Est-ce que j'ai raté quelque chose? Les farfelous vont s'affronter en musique! Vas-y, Tilou! Chante avec tout ton cœur! Je suis un loupio, je mords pas trop. Vous aimez mes jolis crocs. Je suis Tilou, le farfelou. Mes jolis poils sont tout doux. Allez les caniches à fourrure, plus fort, faites du bruit, chantez encore pire que ça. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Comment ça, chanter encore pire? Ce que j'aimerais, c'est voler. Tu as réussi, Tilou. Tu as bien fait de répéter. Tu pourrais même faire une carrière solo. Merci. Loon et Scarlou devraient arrêter la musique. Tu es renvoyé. Oh. Renvoyé. Bien, je n'ai pas besoin de vous. Et je n'aurai aucun mal à trouver d'autres musiciens sans talent. Pourquoi pas nous mettre robots et les machines? Vive les robots trop géniaux. Vive non, les non, robots non, trop géniaux. Pyjamasque, on crie hourra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Jouer, Sacha, tu as été super. Oui, j'ai passé au moins 5 heures à répéter ce matin. On peut réussir plein de choses quand on se donne la peine de répéter. Qu'on soit un farfelou hurlant ou un chat danseur génial. Oh, Gugu, cours. Hector, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, Hector, on s'occupe de tout. J'ai un plan. C'est l'heure d'être... Hein? Un vrai héros? Hein? Mais... Oh! Oh! Hein? Au secours! On boit la chair de boulon! Ça va aller! Je vais t'aider! Il faut juste que j'arrête cet astéroïde de tourner! Allez, Hector, tu peux le faire. Pouvoir astral. Ah.
suffisait de le faire s'arrêter. Hector Étoile est un vrai génie de l'espace. Oui, et c'est un génie très courageux. Mais ce n'est pas juste. Merci Hector, tu as été un vrai héros. Moi? Quand on est amis, on s'entraide, pas vrai? Merci les pyjamasques, à bientôt. Pyjamasques, on crie hurrah! Cette nuit, Hector Étoile a réglé les tracas. Qu'est-ce que je suis content de vous voir les copains. Tatou Rotom, tu aurais dû nous parler du vase. Oui, je sais, mais je m'en voulais tellement de l'avoir cassé. Ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Il suffisait de nous dire que c'était un accident. C'est Ninjaka qui l'a déposé au musée. Le vase est un faux. Il n'a aucune valeur. Ah, ce Ninjaka, je vais le... Tatou Rotom, il faut que tu te calmes. On va l'arrêter ensemble. Flamme rouge? Grâce au pouvoir de la pierre, Ninjaka est devenu très fort. Comment on va l'arrêter? Je dois réparer ma bêtise. Je vais m'occuper de lui. Tranquille pendant un moment. Voilà comment on règle les soucis en mode Tatou Rotom. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas. On va faire pour entrer. On trouvera un moyen. Et... Vous êtes venu me sauver malgré ce que je vous ai fait? Bien sûr! C'est à ça que servent les amis! Je suis désolée, j'aurais dû vous faire confiance. Non! Hein? Robot volant! Mettez-les dehors! Oh! Laisse mes amis tranquilles! Et... Non! Oh! Oh! Accrochez-vous! Voilà les amis, tout est rentré dans l'ordre. Merci de m'avoir aidé. Je sais que je peux vous faire confiance. Notre amitié est comme un roc. Elle est solide. Oh. Vous avez compris? Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Parez ça. Non! Ah. Oups, désolé. Oh, ça sent les ennuis. Glu-glu, Bibou, est-ce que vous arrivez bientôt? Non, désolée, vous êtes monté trop haut et trop vite. On ne peut pas vous rattraper. Oh, je dois me débrouiller tout seul. Mais comment? Appuie sur les boutons, facile.
mais on ne sait pas du tout sur lequel appuyer. Le bleu fait plein de bruit, et le bouton vert encore plus, et le marron fait du chocolat chaud. Tu as retenu tout ce qu'ils font. Très bien, trouve le bouton du tuyau maxi-aspirant. Facile, le rouge qui clignote. Tourne-le à gauche. Maintenant, active l'aspireur. Oui. Non, dans l'autre sens, le souffleur. Merci, Choumacaque. Tu peux trouver le bouton pour libérer ma queue? Oui! Mon tuyau maxi-aspirant! Ton singe farceur et toi, vous avez utilisé toute sa puissance! Il fallait bien qu'on revienne de tout là-haut. Bande de pigeons nuls! Robot, décollage immédiat! Ta-ta-ta-ta! Oui, maître! Joli travail, Choumacaque. Tu es malin. Pas seulement farceur, mais vous aviez raison. Les soucis ne se règlent pas en faisant des bêtises. Mais on s'est bien amusé. Miaou. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Je suis le puissant chef de la Lune. Et ce n'est que la première partie de mon plan. Car je compte bien conquérir beaucoup d'autres planètes. Dans ton plan pour dominer l'univers, est-ce qu'il y a aussi un chat de l'espace et un insecte extraterrestre? Quoi? Maintenant! Chat merveilleux, écoute la raison. Il est l'heure pour toi de rentrer à la maison. Yo-yo, acrobatant! Yo-yo, ligotant! Si vous croyez que ce petit tour de passe-passe suffira à me faire renoncer, hein? La magie lunaire d'Apophis a presque disparu. C'est vrai? Oh oh! Glu glu méga muscle! Je l'ai! Je reviendrai! Et je régnerai jusqu'à la fin des temps! Yo-yo rapido! Qui libérer garçon de l'espace et le ramener avec oiseau rouge et véhicule jusqu'à la Terre. C'est très gentil, Motsuki. On n'aurait pas dû vous accuser, Sorceline et toi. Le courageux Yo-Yo a rampé, sauté et bondi. Et s'est totalement trompé sur vous. On est vraiment désolés. Ce n'est pas grave. Et puis, c'était plutôt drôle de jouer les gentils pour une fois. Pyjamas et les filles de la Lune ont crié hurrah. C'est nuit, on a réglé les tracas. Ça, c'est la belle vie. Allez, frottez plus fort. Je vous rejoins, maître. Pija Cristal, je suis désolée d'avoir pris ta puissance. Tiens, reprends-la et redonne-la à mes amis. Ils en ont plus besoin que moi. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Mes pouvoirs, ils disparaissent. Nos pouvoirs, oui. Oh oh. Ça a marché et je n'ai rien. Mais mes amis ont toujours besoin de moi. Je vais les attraper. Wow! Glu glu main et fil collant. Bibou Tornado. Venez. Tu as encore raté ton cours.
as vraiment pris le risque de perdre tous tes pouvoirs à jamais? Merci. Je n'aurais pas dû essayer de courir plus vite. Tu voulais simplement être encore meilleure? Oui, mais je vais me contenter d'être un ami encore meilleur. Après tout, je suis déjà assez rapide. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Vas-y, Choumacac, je te tiens, d'accord? Choumacac peut voler! En avant! Choumacac, fais apparaître une banane! Viens, fais-lui un tour de magie! Il est plus calme! On peut lui en donner! Génial! C'est l'heure du yo-yo ligoto! Maintenant, mon glu-glu méga muscle! Allez, glu-glu, vas-y, tiens bon! Ça fonctionne! Que c'était un sauvetage parfait. Merci. Bon, je dois tenir ma promesse. Lionel, tu peux jouer avec qui tu as envie. Je comprends ton choix. Lionel n'a pas envie de choisir. Oh, il veut que vous jouiez tous les trois ensemble. C'est vrai? Oh, Lionel! Oui! Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Un peu plus tard, quand on ne sera plus en route vers l'espace. Tu as raison, il faut qu'on travaille tous ensemble. Yo-Yo, tu peux lancer un yo-yo ligoto à tête Rotom? C'est trop loin. Mes ligotos ne sont pas aussi longs. Je vais nous rapprocher. Bibou Tornado! L'appareil antigravité est trop puissant. On réessaie. Tenez bon. Yo-yo ligoto! Je l'ai! Maintenant, tirons tous ensemble! Continuez! Je n'y arriverai pas tout seul! Plus fort, allez-y! Merci pour ton aide, Tato Rotom. Oh non, merci à vous. C'était super. Je vous laisse. À la prochaine, les pyjamas. Tu vois, Gluglu, tu es bien un vrai héros. Merci. Tous les héros ont parfois besoin d'un petit coup de main de leurs amis. Pyjamas, on crie hurrah! C'est fini, on a réglé les tracas! Bon. Alors descendez de ma pagode. Je dois reprendre le contrôle du musée tout de suite. Position, dodo. Tête par terre, fesses en l'air. Non. C'est pour vous. Ouah.
fonctionne. Bien joué, Ninja Zouave. C'est génial! Vous avez réussi! Bravo! Bien joué! Tu avais raison, Gluglu! Les ninjas zouaves peuvent aussi être gentils! Oui, je vous ai joué un tour en prenant vos pouvoirs! Mais bon, c'est déjà du passé! Pas vrai? Vous voulez bien me pardonner? Qui a envie d'aller manger une glace? Des choses, mais ils n'auront pas été gentils très longtemps. Pyjamasque, on crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Et si à mon tour, je copiais tes pouvoirs? Comme si un crocodile pouvait jouer du saxophone! Je n'abandonnerai pas avant d'avoir essayé! Rends-moi ça! Tu ne t'en tireras pas comme ça! Wow! Plume-humain et pied-collant! Par les grandes pyramides! Arrête! Je viens ici pour explorer les mystères de l'univers. Mais je reste seule dans mon coin. Mais bon, j'aurais dû te croire. Tu avais raison. Lui aussi, c'est un enfant qui se transforme la nuit. Tu diriges l'astéroïde? Je sais, c'est un de mes pouvoirs. Mais là, c'est pas facile, surtout avec ce mini savant fou qui attaque. On le connaît bien et on lui réserve une surprise. Maintenant, Hector et Paul, c'est l'heure d'être un vrai héros. L'heure de quoi? J'ai bien entendu. Alors, robot, ça y est, les pyjanos, ils sont bien loin dans l'espace maintenant? Pas exactement, maître. Quoi? Tu es sûr que ça va marcher? À gauche, toute, pour éviter ce rayon. À présent, fonce sur les lanceurs de rayons. Ce générateur de rayons laser haute intensité? Le truc pointu dirigé vers nous, maintenant. Générateur de rayons laser neutralisé. Astéroïde électrique repoussé. Bon, eh bien, je vous laisse maintenant. Une seconde, tu veux bien nous déposer? Oups, désolé, j'ai failli vous laisser dans l'espace. Allez, on fonce. Sans
petit peu long à expliquer, Pigeon Robot. Oui, c'est assez compliqué, mais très positif. Je te présente notre nouvel ami, le surfeur cosmique. Hein? Hein? Il va souvent à la bibliothèque, on le reverra. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les fragas! C'est l'heure d'être de vrais héros! Ah, on ne pourra pas passer! Quoi? Tu dis que tu as un plan? Tu veux nager entre les plantes? Oh, mais je ne vais pas pouvoir aider! Hein? Oui, c'est vrai. Je peux aider d'une autre manière. Je vais prendre les commandes et me tenir prêt à démarrer. À toi de jouer, petit. Pigeon Robot, le cristal. On est dans un étang. Allons-y. Ah, je vais vous ensorceler avec une autre chanson. Sans vous, les pyjamasques seraient restés des nains de jardin pour toujours. Je me suis bien amusée et j'ai même pu m'entraîner à nager. Maintenant, je suis aussi un héros sous-marin. Et on aura sûrement bientôt besoin de ton aide, Tatou Rotom. Mais en attendant... Pyjamasques, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Les robots de Roméo nous attaquent pour essayer de pénétrer dans la forteresse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les ennuis. Imaginez ce que Roméo pourrait faire avec des cristaux de lune. Oh hein? Par mes oreilles de chat, Roméo a réussi à emmener son astrolabo dans l'espace. Il contrôle sûrement son attaque lunaire de là. Il faut l'arrêter. Tiens bon, sœur Céline, tous à l'astro-hibou. Transmission radio. Mon armée de robots volants serait perdue sans mes instructions de génie. Maître. Robot, je veux un rapport. Nous sommes en train d'attaquer la forteresse, mais la fille de la lune se défend. Et ça fait mal. Alors réessayez. Mes ordinateurs analysent le champ magnétique de son bâton de lune. Je ne vais pas tarder à découvrir son point faible. Ah, les pyjamasques! Changement de programme, robot. Reviens ici tout de suite. À vous, d'ordre maître. Il nous faut ces cristaux de lune. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on va en faire quand on les aura récupérés? Notre danse de la victoire. Non! Enfin, si, mais seulement une fois que mon plan génialement méchant aura fonctionné. Débarrasse-nous d'eux, tout de suite. Il me faut ces cristaux. Je veux tous les cristaux. Passez vite, petite étoile filante. Ne t'inquiète pas, Hector Étoile. On se charge d'elle. Non, c'est plutôt moi qui vais me charger de vous. Pour vous sauver? Toi?
Pigeon Robot, qu'est-ce qu'il fait? Le Drôlinus! Le Drôlinus, c'est une blague! Quel nom idiot pour un caillou! D'étoiles ont réussi à nous sauver. Hein? Je crois que maintenant je peux vous rendre ça. Pigeon casse-pied. Nous gagner prochaine fois. Joli travail, copain d'étoiles. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les dragas! Aou! Aou! Oui, ça fonctionne! Ils redeviennent de vrais farfelous! Ça vaut mieux que des farfelous contrôlés par un ninja! Aidons-les à devenir encore un peu plus garous! Aou! 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 Qu'est-ce que vous faites, boule de poil? Obéissez! Vous avez raison, ils ne sont pas si méchants. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Super, Flamme Rouge, ça va les libérer. C'est l'heure d'être de vrais héros. Oui. Merci, c'était nul de devoir obéir à une flûte. Bien d'accord, on dirait que les pyjamas nous ont bien rendu service. Écoutez-moi les toutous garous, obéissez! Hé Ninja Nouille, on n'est pas tes toutous. Notre meute n'obéit à personne. Je me vengerai un jour. Si Ninja K croit qu'il peut nous contrôler avec ça, il rêve. Attrape Tilou. Moi aussi, j'ai voulu vous dresser. Je suis désolée d'avoir essayé. Pardon d'avoir hurlé dans la grotte. C'était pour rigoler. Alors, vous êtes tous réconciliés maintenant, pas vrai? Vous êtes les bienvenus sur la montagne mystérieuse. Ouais! On verra des fleurs sauvages. J'ai envie de voir les grottes. Merci, les pyjamasques. Même une fille dragon de plus de 1000 ans a encore des choses à apprendre. On a tous plein de choses à apprendre. Mais toi, tu sais parfaitement imiter le hurlement d'un loup. Alors, pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les dragas! On doit absolument agir avant de perdre nos pouvoirs. Tu peux rester, tu es inoffensif à présent. Je t'en prie, admire-moi en train de voler les pouvoirs de tes amis pyjamasques par le pouvoir du grand soleil. Bien joué, tu as réussi. C'est ce que vous croyez? Plus de pouvoir. Imbécile de chat! Hey, c'est mon sceptre! Rendez-le-moi! Donnez-le! Rendez-le-moi! Pas question! Si tu veux vraiment qu'on te rende ton sceptre, il va falloir que tu fasses quelque chose en échange. Libère Yo-Yo tout de suite! Jamais! Miaou! Entendu! D'accord! Du moment qu'il me laisse enfin tranquille! Merci, Chapitre. Tu n'es peut-être pas tout à fait mon assistant, mais on a réglé les tracas ensemble. Toi, moi et
Mes pyjamas, bien sûr. Du vent, va-t'en. Gardez votre temple. Je reste un pharaon puissant. Et nous, on reste les pyjamasques. Miaou, 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 miaou. Cette nuit, on a réglé les tracas. Pas Gluglu. Hein? Quoi? Bien sûr que si. Je suis le petit lézard vert qui gâche toujours tout. Tu es Gorgonella. Je ne suis pas du tout. Oups. Très bien, vous avez gagné. De toute façon, ça m'est complètement égal d'être une pyjamasque. Ouais, le vrai Gluglu. Les copains! Bibou, Miflou, Yo-Yo, Lego! On est désolé de t'avoir laissé partir. Même si au fond, ce n'était pas vraiment toi. Ce n'est rien. Je dois aller libérer Pyjarobo. C'est l'heure d'être un vrai héros! Parfait! Il n'y a pas un seul Pyjaminus dans les environs. Activation du mode robot méchant. Ça va un peu chatouiller. Alors là, non! Gluglu à la rescousse! Le vrai Gluglu cette fois! Gluglu méga muscle! Gluglu méga nage! Gluglu donne tout ce que tu as! Il a réussi! Bravo, Gluglu! Où est-ce qu'il est? Oh, oh, je n'arrive plus à l'arrêter. Je m'en occupe. Oh, ah, oh, oh. Vous aurez la prochaine fois les fiches à casse-pieds. Tu n'as plus rien à craindre. Tu as été tellement gentil avec moi. Je ne te le pardonnerai jamais. Ça te va bien, le verre. Un de ces jours. Et voilà, le souverain des eaux est de retour. Pyjamasque, on crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Oh, par mes oreilles de chat! Mon chat bolide est tout détraqué! C'est sûrement à cause du cristal! Roméo doit en faire n'importe quoi! Oh non! Mon chat bolide! J'ai vécu tellement d'aventures avec lui! Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'allais m'écraser. Au moins, vous êtes toujours là, mes papy nuits. Je dois rejoindre Gluglu et Yo-Yo. Il n'est pas trop tard. Si je ne peux pas récupérer vos pouvoirs d'un seul coup, je vais vous les prendre un par un. Obéissez à votre nouveau maître. C'est vrai, ça? C'est le milieu de la nuit? Qu'est-ce que je fais ici? C'est une catastrophe! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Bibou, où est-elle? Hein? Mais ne me dis pas qu'elle abandonne! Bibou! On est là! Bibou! Wow! Bibou? Qui c'est ça? Comment oses-tu faire ça à ton roi? Tu vas essuyer la colère du pharaon! Pouvoir de l'oiseau! Désolée, les copains! J'ai l'impression que Pyjarobo a un plan! Bientôt, tu me supplieras de te pardonner. Plus de pouvoir de l'oiseau.
Ça suffit, Apophis. Arrête immédiatement. Qu'est-ce que vous avez fait à mon sceptre? Vous avez détruit sa magie. Et surtout, vous avez tout gâché. Je reviendrai et je resterai. Et vous m'obéirez tous jusqu'à la fin des temps. Il commençait à être un peu énervant. Il a failli nous avoir. Tu as été super. Merci, tu es le robot le plus génial qu'on puisse rêver d'avoir. Et tu le resteras. Oui, jusqu'à la fin des temps. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Pour passer. Maintenant, saut arrière, retournez et atterrissage. Faisons comme Flamme Rouge. Saut arrière, retournez et atterrissage. Oui, c'était génial. Oh, tu fais une fête? Oui, et vous n'êtes pas invité. Oust. Dans ce cas, tu devrais peut-être rentrer chez toi pour faire la fête. Glu glu, reptilo, camouflage. Bibou tornado. Hé, rends-moi cette statuette, lézard gluant. Aïe. Heureusement, il me reste le bâton de flamme rouge. Pas pour longtemps. Oh, vous faites toujours tout pour gâcher mes plans. Je vais ranger la statuette pour ne pas qu'elle finisse entre de mauvaises mains. Ça vaut mieux. Et je crois que Shumakak a assez travaillé pour ce soir. Hein? Oh, flamme rouge? Boum! Ah! Shumakak, Shumakak, merci pour ce dernier tour! Je rêve où flamme rouge vient de nous faire une blague. Hein? Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit,